Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mégane, ravie de vous retrouver en ce dimanche de décembre. Ah, le dimanche. Je vous propose aujourd'hui une posture idéale pour un dimanche, Savasana. Ou si on traduit la posture du cadavre, gardons Savasana, ça sonne mieux. Cette posture est fondamentale, incontournable. Si vous ne trouvez pas cette posture dans un cours de yoga, ce n'est pas du yoga. C'est vraiment la posture qui va vous permettre de bénéficier de tous les bienfaits d'une séance de yoga. Elle vous permet de construire les muscles, les connexions, d'assouplir ce qu'il faut pour permettre à votre corps de grandir la posture qui vous va le mieux et qui vous permettra une bonne santé. Savasana, vous pouvez même prendre une couverture, mettre des grosses chaussettes, même prenez un petit coussin pour votre tête. C'est cocooning aujourd'hui avec Savasana, jour numéro 16 du calendrier de l'Avent spécial yoga. À tout de suite. C'est parti pour Savasana, la posture de la relaxation. Donc mettez-vous à l'aise si ce n'est pas déjà fait. Prenez vos chaussettes, moumoutes. Couvrez-vous, vous pouvez prendre une grosse couverture. C'est l'hiver en plus. Vous pouvez même prendre un coussin. Là, j'ai pas pris de coussin, j'ai juste une couverture. J'ai mis une grosse veste. Je vais mettre la capuche. Et surtout, n'hésitez pas à vous mettre confortable, c'est important. Sachant quand même que l'idée, ce n'est pas de dormir pendant cette posture, mais de bien écouter ce que je vais vous dire et de activement relâcher chacune des parties de votre corps. Après, si vous vous endormez, c'est pas grave. Mais ce n'est pas non plus l'occasion pour laisser votre mental divaguer. Ramenez-vous à votre corps, ramenez-vous à vos sensations, à ma voix, à mes mots, et tout va bien se passer. Alors on s'installe, voilà, miam miam. Donc pour s'installer en Savasana, je m'allonge sur le dos, je mets les pieds en éventail et les paumes de main vers le plafond. Voilà. Ça y est, on est prêt pour Savasana. Vous sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd et de plus en plus. Votre corps s'enfonce dans le sol, comme si le sol autour de vous était en fait du sable chaud. Et vous vous enfoncez dans le sable chaud encore et encore. Complètement relâché, complètement détendu. Et maintenant, vous allez amener toute votre attention, c'est-à-dire aussi votre énergie, à vos pieds. Et juste en faisant ça, juste en portant votre attention à cette zone de votre corps, elle se relâche et se libère de toutes les tensions de la journée. Vos pieds sont de plus en plus lourds, vous sentez vos talons qui s'enfoncent dans le sol, de plus en plus et de plus en plus. Voilà, c'est ça. Vous pouvez amener avec votre attention une belle lumière qui pénètre chaque cellule de vos pieds, qui guérit, qui régénère, qui adoucit, qui renforce. Et puis vous portez votre attention sur vos chevilles maintenant. Et de la même façon, vos chevilles se libèrent de toutes les tensions de la journée, de la semaine, et même de toutes les tensions du passé maintenant. Voilà, c'est ça.
Vous remontez le long des tibias et des mollets. Pensez en profondeur. Pensez en trois dimensions. Visualisez cette lumière étincelante qui pénètre chaque partie, chaque cellule de votre corps pour relâcher, libérer, régénérer. Et vous arrivez au niveau de vos genoux. Cette zone qui est assez sensible et qui a besoin de vous, de soins, d'attention. Devant, derrière, sur les côtés, à l'intérieur, au plus profond. Complètement relâché, complètement détendu et vous continuez à remonter le long des cuisses. Pareil, devant, derrière, sur les côtés. Et vos jambes sont de plus en plus lourdes et de plus en plus, elles s'enfoncent dans le sol. Et plus vous faites ça, plus vous entrez dans un état de relaxation de plus en plus agréable, à votre propre rythme, à votre propre façon. Vous arrivez maintenant au niveau du bassin. Le bassin, c'est une zone très précieuse aussi. Et juste en portant votre attention ici, cette zone se relâche et se libère. Cette belle lumière maintenant irradie le bout de vos orteils, toutes vos jambes et tout le bassin dans toutes les dimensions. Jusqu'au plus profond de vos cellules et même vers l'extérieur. Le ventre maintenant. Observez votre nombril qui bouge au rythme de votre respiration sans aucun effort. Ressentez même de la gratitude pour pouvoir respirer sans en avoir conscience. Ça marche tout seul. Et tout le bas du dos se relâche et se libère. Le milieu du dos, le ventre et relâchez les côtes une par une. Complètement relâché, complètement détendu. Vous arrivez à votre poitrine, votre cœur, peut-être vous sentez votre cœur qui bat pareil, sans aucun effort. Et toute cette zone se relâche et se libère, ainsi que tout le haut du dos. Voilà, c'est ça. Et maintenant vos épaules. Libérez vos épaules. Et en partant des épaules, descendez le long des bras jusqu'au bout des doigts. Vos bras s'enfoncent à leur tour dans le sol, de plus en plus et de plus en plus, complètement relâchés, complètement détendus. Voilà, c'est ça. Laissez la langue tomber dans la bouche et votre gorge s'ouvrir et la nuque se relâcher complètement, de plus en plus et de plus en plus. Et relâchez les muscles de la mâchoire, tous les muscles autour de la bouche, les muscles autour du nez, des yeux. Votre visage est complètement relâché, complètement détendu. Tout le sommet du crâne et l'arrière du crâne. Votre tête est de plus en plus lourde et de plus en plus lourde et vous avez cette lumière maintenant qui irradie votre corps du sommet du crâne. Jusqu'au bout des orteils, complètement relâché, complètement détendu. Voilà, c'est ça. Et plus vous faites ça, plus vous entrez dans un état de relaxation de plus en plus profond, un état dans lequel vous pouvez vous régénérer de toute l'énergie dont vous avez besoin pour continuer le chemin de votre vie. Vous
profiter de ce moment connecté à de la gratitude. De la gratitude d'avoir pris ce moment pour vous, d'avoir pris ce moment pour prendre soin de vous, parce que vous le méritez. Et c'est grâce à ça que vous pourrez prendre soin des autres, de la bonne façon et sans attente. Et tout doucement, je vais vous inviter à allonger l'inspire et à allonger l'expire. Prendre conscience de votre respiration. Longue, douce inspire. Et longue, douce expire. Encore inspire. Expire par la bouche et relâche. Inspire par la bouche. Et souffle et relâche. Voilà, c'est ça. Et maintenant, tout doucement, après avoir repris conscience de votre souffle, vous allez reprendre contact avec votre corps dans la matière et bouger peut-être les doigts. Bouger le bout du nez, les orteils. Voilà. Commencez à revenir à vous. Reprendre contact avec votre corps. Et vous pouvez vous étirer derrière ou bâiller. Et si vous vous êtes endormi, c'est ok. C'est que vous étiez bien relâché. Et puis, vous allez vous tourner sur le côté droit. Quelques instants en position fœtale. Encore juste une inspire, une expire. Et puis, en utilisant la force de vos bras, vous allez venir vous asseoir à nouveau en Sukhasana. J'espère que cette relaxation vous a plu. J'espère que vous vous sentez prêt à vivre une nouvelle semaine. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. À vite. Namasté.